Le soleil, d'arrêt très rare sur l'île britannique, est en train de reprendre petit à petit ses droits. Et à l'instar de tous ceux qui sont souciés de leur forme, dans les parcs et les salles de gymnastique, les éléphants de la diaspora ont repris les crampons. Nous sommes venus les surprendre dans leur entraînement. On va leur arracher quelques petits mots. Tout le monde est là, les anciennes gloires du football ivoirien, Arsène Obou que j'ai reconnu, Yaoublé, Francis est là, Obou Paté, Gervais qui a été gardien du Stella Club d'Abidjan, Amien Brindou Jano est également là. On va leur arracher quelques petits mots. Vous avez repris les entraînements depuis quelques temps, je crois, depuis la semaine dernière. Les choses se passent bien, n'est-ce pas? Oui, pour le moment, tout va bien. Et vraiment, certes que nous ne sommes pas bien en forme, mais les entraînements reprennent petit à petit. Et on pense que 2-3 entraînements, on serait au top de notre niveau. Puis bon, j'espère que le championnat prochain serait vraiment très rude et j'espère qu'on serait premier du championnat. Voilà, les éléphants de la diaspora certainement seront premiers du championnat, comme l'a dit notre ami Talbi. Voilà, notre ami Talbi qui a marqué, je crois, plus de 7 buts. Hein. Bien sûr. Voilà un buteur patenté. Voilà un buteur patenté. Bien sûr. Voilà, alors je vais m'approcher de quelqu'un. Hein. Georges Bellignon, qui est un écrivain. Voilà, Georges Bellignon, vous avez tombé la plume pour chausser les crampons. Oui, bien sûr, il fallait ça. Il faut dire qu'on sort aussi d'une petite pause, donc ce n'était pas très facile la reprise, ouais. Mais on s'y met petit à petit. Et comme tu l'as vu, bon, ben, je crois que les gens donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Et puis bon, on attend pour le dimanche prochain. Voilà, Georges, il a encore le beau reste. Arsène, voilà, je crois que la reprise des entraînements, elle est totalement effective. Hein, on l'a vu, il y a encore le beau reste hein, avec les touches de balle. Alors comment vous vous sentez en ce moment? Bon, comme vous l'avez dit, hein, c'est la reprise, bon, tout le monde est un peu fatigué. Ouais. Bon, je pense que avec le temps, tout le monde sera en jambes et puis voilà. Je demande à tout le monde de venir aux entraînements. Oui. C'est bon pour la santé d'abord. Oui. Parce qu'on a atteint un certain âge. Oui. Voilà, donc c'est bon pour la santé. Et puis bon, voilà, on a des projets de tournoi, tout ça. Et ça va vraiment. Comment on dit ça? Enjoy la communauté. Merci Arsène Obou qui est quand même une figure emblématique du football ivoirien de la diaspora. Il est champion d'Afrique, il est champion d'Afrique au Sénégal en 92. Voilà, il est ici, il est en train de garder la forme. Alors Talbi, il y a quelque chose à ajouter? Non, pour le moment, j'ai pas grand-chose, mais j'aimerais lancer un appel aux autres camarades qui ne sont pas encore venus reprendre les entraînements, qui viennent reprendre les entraînements, car nous avons commencé les entraînements 2 semaines passées. Et j'aimerais que nos amis qui n'ont pas encore appris la nouvelle, ouais, qu'ils sachent que les entraînements ont commencé. Et vraiment, on compte sur eux. Et on est en train de préparer un tournoi pour aller à Paris et à Bruxelles aussi. Ouais. Nous sommes invités en été pour pouvoir participer à 2 tournois à Paris et à Bruxelles. Donc on aimerait que les gens viennent massivement aux entraînements pour ne pas qu'on puisse aller faire de la figuration là-bas. Voilà, merci beaucoup à Talbi. Alors, je suis avec Yaoublé Francis. Vous le connaissez sous le milieu de terrain de l'Africa Sport d'Abidjan, infatigable. voilà. Aujourd'hui, alors les amis le disent, Yaoublé, il est maintenant fatigué. C'est vrai ça, Yaou? Oui, effectivement, je suis fatigué. C'est mon premier jour d'entraînement. Je viens à peine de reprendre. Ça n'a pas été facile. Depuis 2005, on avait une équipe ici qu'on appelle à Londres. Celle-là même qui allait jusqu'aux portes de la 3e division. Et puis après, pour des incompréhensions des personnes, il y a eu des problèmes. Donc, depuis ce temps-là, j'ai jamais mis pied sur un stade de football. Et puis un terrain de football. Et puis bon, voilà, c'est le premier jour d'entraînement aujourd'hui, après avoir fait 3 ou 4 ans en Côte d'Ivoire. Et puis ça n'a pas été facile. Mais on espère que vous allez retrouver très bientôt la forme pour le bonheur des éléphants de la diaspora. Et je pense que vous pouvez apporter votre expérience à cette belle équipe-là. Merci beaucoup à Yaoublé Francis d'avoir intervenu. Vous voyez, il est complètement habillé aux couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants qui ont barré dans la forêt équatoriale de Guinée pour remporter pour la 2e fois la Coupe d'Afrique des Nations dans leur histoire. Alors, ça fait plaisir de voir ce beau maillot des éléphants de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, avec la forme? Oui, quand même, mon frère. Je crois que le problème, après avoir regardé cette canne-là, oui, ça m'a donné quelques inspirations. C'est pour ça, pour ma première sortie, je ne pouvais que gagner. Oui. Voilà, donc, le petit frère Jeannot, tous les problèmes qu'on a avec les Ivoiriens, c'est les basses. Oui.
Parce qu'il est fort, il faut le brasser. Même quand il est âgé, il faut le brasser. Il faut le brasser. Donc le genou, il est encore là. Non, ils ont brassé le genou. Il faut qu'il reparte encore à Abidjan pour voir. Voilà. C'est la même personne là. Depuis les petits, c'est le même problème. Je ne comprends pas. Voilà, on espère qu'il va... artiste. Ouais, mais... c'est un artiste. On espère qu'il va retrouver le genou. Alors, Jeannot, rapidement. Il y a quelques semaines, vous étiez à Abidjan dans le cadre de la détection de votre centre de formation. Mm-hmm. Comment les choses se passent en ce moment? Oui, effectivement, je te remercie, Kwadjane. J'étais à Abidjan pour une détection des jeunes. Et là, on avait fait la demande auprès de la Fédération française de football. Et heureusement pour nous, ils ont accepté. Donc, mon centre de formation sera en France, à Paris, du 5 au 11 juillet pour une Coupe du Monde des centres de formation. Ça veut dire qu'il aura le Brésil, il aura l'Allemagne, il aura l'Angleterre, il aura aussi des clubs qui seront là comme Chelsea, PSG, Arsenal et Lyon qui seront là aussi présents pour prendre des jeunes talents. Ouais. Donc c'est d'abord au passage j'aimerais dire merci à la fédération Ivoirienne de football qui sont en train de nous soutenir par rapport à ça parce que c'est une Coupe du Monde. Absolument, donc ça veut dire que nous on représente la Côte d'Ivoire. Voilà, donc en même temps j'aimerais inviter tous les Ivoiriens aussi à venir soutenir ces jeunes-là qui ont du talent, qui veulent monnayer leur talent en Europe un jour. Ben voilà, pourquoi pas. Absolument. Donc au fait, mon but c'est ça en fait. Voilà, merci beaucoup à Jeannot. Alors vous pensez que les joueurs que vous avez recrutés, ils ont les capacités, le coffre pour tenir la tête, la dragée haute à toutes ces grandes équipes pendant cette Coupe du Monde là? Ah oui, forcément, parce que j'ai pas été seul. Il y a eu mes anciens collègues. Il y avait Youssouf Fofana qui était là. Il y avait Aboulaye Traoré qui était là. Il y avait Diabaté Mamadou qui était là, qui ont supervisé aussi. Donc ça veut dire quelque part c'est du talent plus qu'on a pu recruter. Voilà, donc on compte sur les Ivoiriens. Venez nous soutenir, les Ivoiriens de France, les Ivoiriens même de Londres. Venez nous soutenir ces jeunes là à partir du 5 juillet. Du 5 au 11, c'est un tournoi qui va avoir lieu du 5 au 11 juillet. Donc on compte sur tous les Ivoiriens, venez nous soutenir. Et surtout ces jeunes-là, venez les encourager parce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, mon objectif c'est ça. Il faut former des jeunes parce que des joueurs comme Yaya, Drogba est déjà parti. Ouais, bientôt ils vont tirer la révérence. Ils vont bientôt arrêter, donc faut penser à ces jeunes-là. Voilà, merci beaucoup à Jeannot de penser à l'avenir du football ivoirien. Alors, au bout, Pathé Gervais, j'étais au stade Félix Houphouët-Boigny, le Stella Club d'Abidjan joue ce premier match contre le stade d'Abidjan. Et puis voilà, une parade, mais incomparable. Pleine lucarne, il allait chercher le ballon. Au bout, Pathé Gervais. Aboulaye Traoré a marqué. Alors, au bout, le ventre, il est un peu sorti. Mais je pense que vous avez gardé encore les gants. Hein. Aujourd'hui, vous avez troqué les gants contre les crampons. Alors, comment les choses se passent pour la reprise? Viens, le fils, assieds-toi là. Je rappelle que c'est le fils de Boupaté Gervais. Lui, il n'est pas gardien de but, mais il joue au pied. Ouais, je voudrais dire merci à tous les frères ivoiriens qui sont de loin avec nous. C'est difficile, hein. On fait avec ça. Voilà. Ouais. Ça va aller. Je pense que d'ici 2, 3, 4 entraînements, vous allez retrouver votre forme d'antan. Ah oui. Hein, ça fera plaisir de vous retrouver, les éléphants de la diaspora. Merci beaucoup à Boupaté Gervais. Voilà, le fils est... Le fils de Obou Pathé Gervais, je pense que c'est la relève. Il va certainement jouer dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Hi. Tu parles français? You don't speak French. Do you think that he was a great good a goalkeeper in Ivory Coast? Do you want to be like that? You want to be a goalkeeper or just a player? Just a player. Ah, okay, player. What's your position on the pitch? A left mid. Midfield? Yeah. All right, good. What's your name? David. David. Oh, thank you very much, David. Yeah, to answer our question. Yeah. Voilà, donc je continue avec les anciennes couleurs du football ivoirien. Je suis avec, il va me rappeler son nom parce qu'il a été professionnel en France. Ivrois, voilà, il a été professionnel en France. Il est ici en Angleterre désormais. De mon mieux pour pouvoir faire quelque chose. Sa femme vient d'accoucher. Elle vient d'accoucher.
Mamma,